Ami du pouring, bonjour. On peut rater une peinture, puis la détruire et refaire une magnifique peinture avec. Je vais faire une peinture pouring avec cette peinture perle métallique que j'ai achetée à Créavea. Alors c'est une peinture légèrement métallisée, mais elle fait des effets spéciaux. Alors je vais vous montrer ce que ça fait sur ma toile. Normalement, le résultat va être spectaculaire. Je vais le faire avec du jaune, du orange et du rouge. C'est parti. Alors, je vais poser des flaques de couleur. Orange, orange. Et rouge, tout simplement, comme ça. Plus de rouge. Et bien maintenant, je vais poser la peinture noire par-dessus et on va voir ce que ça va faire. Carrément sur la peinture. Et lorsque je vais étaler, et bien il va rester le rouge, le jaune. Qui va reparaître par-dessous. Enfin, peut-être. Je commence à avoir un doute. J'ai l'impression que ça marche pas. Il faut bien étirer. C'est bien noir, hein? Ah ben oui, c'est complètement raté. En fait, je voulais faire un effet de perle que j'avais eu sur une ancienne peinture. C'est raté, donc j'essaye les ballons, j'essaye tout. Puis je vois qu'il y a des effets qui apparaissent. Avec le jaune, l'orange et le rouge, c'est sympa. En détruisant mon premier pouring, eh bien je me suis aperçue qu'il y avait des effets avec le rouge, l'orange et le jaune. Donc je refais une autre expérience. Magnifique! C'est bien de faire des expériences. Jaune, noir, rouge. Ouais, c'est pas mal, ça me plaît. Maintenant, la dernière peinture pouring avec mes restes de peinture, enfin les peintures que des fois on jette et que moi je récupère très très souvent. Parce qu'elles ne sont pas trop moches et qu'elles ne font pas une boue vraiment infâme. Alors là, je mets tout sur ma toile pour avoir une peinture de fond ou un coussin, comme on peut dire. Voilà, je récupère tout ça et puis je vais l'étaler sur ma toile car c'est une peinture métallisée noire et elle est très sympa. Alors, j'étale bien ma peinture. Puis avec les doigts, je termine les bords du cadre en bois. Génial! Bon, alors voilà, vous avez vu ce que j'ai fait du reste de mes peintures de fond. Et bien maintenant, je vais continuer, je fais mes expériences. Je vais faire donc du orange, du jaune, voilà, tout simple, hein, du rouge, avec cette peinture perle métallique. Non, mais j'ai bien m'amusé. J'ai passé le couteau à peindre sur tout ça. Alors, je vais faire comme si je vais jeter mes peintures, c'est-à-dire que je vais les. Comme si je la détruisais, mais je ne vais pas la détruire, parce que ce que j'ai fait tout à l'heure me plaisait bien. Donc là, je vais faire comme si je détruisais mes peintures.
sans les détruire, bien sûr. En essayant de revenir la peinture au milieu. Compléter avec un petit peu de noir où il y a des trous. C'est la folie. Voilà, je vais regarder si c'est beau. Maintenant, je vais peut-être mélanger encore un peu parce que c'était pas assez mélangé. Alors, je tourne la toile. Il ne faut pas trop non plus parce que. Ici. C'est parti maintenant. Je vais faire glisser cette belle peinture. C'est déjà bien sympa. Voilà quoi. Voilà. Ça et là, les cellules vont venir. C'est ça qui est beau. Je m'arrête de faire tourner parce que là, c'est sympa. Ça me plaît. Allez, stop. Et voilà. Regardez, ça arrive tout seul. Là, il n'y a pas de bord. Les bords ici. C'est juste pour les bords, mais peut-être tout abîmé pour les bords. Hop, tiens. Allez, stop. Je vais vous faire voir comment c'est magnifique. Les bords sont superbes. J'adore les bords. Yeah! Je vous montre les bords, comment ils sont. Ils sont extraordinaires. Regardez ça. Pas beau. Un petit passage de chalumeau pour faire venir d'autres cellules sur la peinture jaune. L'effet de perle que je voulais au début est arrivé maintenant. Stop. Et voilà comment j'ai fini mes peintures. J'ai réutilisé les peintures qui restent. Voilà, ça donne de beaux résultats hein, en faisant n'importe quoi. Et voilà, ma toile terminée. Alors, j'espère que ça vous aura donné des idées pour terminer les peintures de récupération, pour vraiment vous défouler sur votre toile avec les peintures, avec un couteau à peindre, avec tout ce que vous voulez. Mais amusez-vous et vraiment prenez du plaisir à peindre en peinture pouring. À bientôt les amis!
Regardez, même le couteau à peindre est merveilleux.